Salut à tous, c'est Kevlar830, on se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode de Darkest Dungeon, normalement. J'espère que vous appréciez toujours cette série. Alors aujourd'hui, nous allons faire encore une run suicide. Oui, je sais, on fait que ça pour le moment, mais bon, bref. J'essaie de soigner un peu pour le moment d'autres gens, et j'attends que le stress diminue pour les autres. Tout le monde est un peu stressé, en fait. Il faudrait pas qu'il le soit trop. Donc voilà. Mais prochain enregistrement, prochaine session, prochaine semaine, prochaine tout ce que vous voulez, nous essaierons un des deux boss. Le prince porcin ou l'apprenti nécromancien. Voilà, ça vous le savez. Et là on va faire une quête encore dans les ruines, désolé encore une fois, mais on essaie d'avoir des contrats. Donc c'est le meilleur endroit pour le moment, parce qu'il y en a 5 à gagner. On avait à la fin recruté des mecs qui étaient plus ou moins équilibrés pour faire une team, donc parfait. La rune suicide sera normalement efficace, je crois, j'espère. Voilà, on prend de la bouffe. On pourrait faire une pitch black. Bon, dans le chat, dites-moi s'il y a des gens encore. Est-ce qu'on fait une pitch black avec cette run suicide? Donc c'est pas vos personnages tout ça, donc ils peuvent crever quand on... C'est pas grave quoi, je veux dire. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une... En gros, pitch black, c'est quand il n'y a pas de torche. Quand t'as pas de torche, les ennemis sont plus dangereux tout ça, mais on gagne plus d'argent. On a plus de loot, techniquement. Donc, à vous de voir. Je vais déjà prendre moi des... Des clés, des pelles... Un truc de bint encore. Voilà. On est bien là. Donc torche ou pas torche? Faudrait que je vois si j'ai une réponse ou pas rapidement. Bon, je vais faire une petite ellipse d'abord. Bon, je décide moi-même finalement. On va faire une pitch black, tant pis. Pour les gens dans l'équipe là, pas qu'ils seront pas contents, bah tant pis pour eux. Allez, c'est parti. Pitch black, pas de torche. On est des malades, voyez. Bon. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? Oh, c'est bien ça comme run. On fait ça, 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 ça. Parfait. Par contre, ils ont tous un peu de stress rien qu'en commençant, je sais pas pourquoi. Écoutez, on a dit pas de torches, alors arrêtez d'avancer des torches comme vous là nulle part, franchement. C'est pas bien ça. Un piège, ça commence bien. 6! Putain, what? Il a pris cher. Ils sont surpris. Ah, il a l'avancée du dueliste. Le dueliste, pardon. C'est bon, ça. Et bim. Oh, il esquive. Oh. Oh. Non, il esquive pas, quoi. Confidence surges as the enemy crumbles. Putain, j'ai pris cher, j'ai mis de life. Lui. Évidemment, il prend enseignement. Ils ont pas d'HP, ces gens. Ouais. La bannière. Allez, rate-le.
Bon. Give them no quarter. Ça commence pas très bien, il est déjà pas mal amoché là, Dorian. La lumière diminue tout doucement. Est-ce qu'on peut les faire saigner peut-être? Ah, un seul, dommage. Petite esquive, yes. Mais non, mais fais pas un et puis le faire saigner. Ah non, ça va être pas ça. Aïe! Il prend cher le bandit, mon dieu. C'est pas cool ça. On attaque, écoute, hein, tant pis, go. Peut-être ça fait mal ça. Ah non, un seul. Quoi? Aïe! Il soigne le mieux que ça, putain. Putain, mais il faut que des attaques comme ça, quoi. Je m'en prends plein la gueule. J'ai fait un couloir, regardez la vie que j'ai. Tout le monde saigne en plus, quoi. Mais quelle bande de cons, quoi. Prodigious size does not dissuade the sharpened blade. Ah. Ah. Enfin, un truc qui se passe bien, plus ou moins. This expedition at least promises success. On a fait un couloir, on est déjà à moitié mort. Littéralement. Ça me saoule, ça. Il va me buste dans la torche. Allez, un piège. Est-ce qu'il ça va? Nice. Il y a combien de combats? C'est déjà le troisième combat sur le chemin, quoi. Allez, on attaque les deux en même temps, au moins. Aïe. Mais oui. Mais c'est ça, oui, c'est ça. La mission vient de commencer. Il le soigne de 1, mais il est trop con. T'as mis sa jante sur lui, quoi. Il est déjà à l'agonie. Il est déjà à la putain d'agonie de merde. Ouais, salut Volt, merci d'être passé. Ah, 11 quand même. Is broken. Maintain the offensive. Mais oui, c'est ça.
Quelle horreur. Cette run est tellement dégueulasse. Mais il lui reste un HP, il va encore faire blader de dégâts à cause de ça, je parie. Oh yes. Tout ça pour ça. Quel enfer. But a victory nonetheless. En plus, je parie qu'on va arriver dans une salle de combat en plus. Ah non. Encore un combat. Quatrième combat en deux, en trois couloirs, les gars. On est bien, là, on est bien. Moi, je me sens bien. Je me sens bien aimé par le jeu. Putain, quoi. Mais même les petites larves font des dégâts comme ça, quoi. Mon Dieu. Elle est étourdie. Putain, c'est quoi, ça? Il va étourdir aussi, pareil. Ah non, ça va, il a résisté. Bon, il va les faire saigner, lui. Ah non. Allez, hop, ta mère, saleté de larme. Heureusement, il n'y a pas d'araignée. Ça, ça va. Ça m'arrange. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light, évidemment. Encore esquive du mage, parfait. De l'occultisme, pardon. Bon, là, la torche commence à devenir un peu. Hein. Ça devient un peu sombre. Hein. Mais je laisse faire. Glittering gold, trinkets. Donc, c'est même quoi? Attendez, vous savez quoi? Secrets and wonders can be found in the most tenebrous places. Voilà. Ils ont faim maintenant. Avec un peu de chance, on va passer à côté des ennemis, ils vont pas nous voir. C'est tellement bien. Hein. Ce serait bien. Combat? Pas de combat. Repérage. Des ellipses. Re, excusez-moi. Bon. Obstacle, obstacle, obstacle. Putain, il y a trois obstacles, quoi. Donc. On a peut-être tué celui-là. Et il y en aura sûrement une là aussi, à mon avis. Qu'on continue le trajet comme prévu. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Seems bent on preventing passage. Ah, des pièces d'or. Faut pas avoir peur, les gars. Ils ont déjà mangé à l'instant, c'est sérieux là. On peut récupérer du loot, du vrai loot. Là, pour le moment, j'ai l'impression d'avoir fait une run pour rien, en fait. S'il vous plaît. Mechanical hazards possessed by evil intent. Ah, des araignées. On est surpris. Elle esquive. Bah, on peut s'en empoisonner, voilà. Bah, elles sont dégueulasses. Étourdi? Bah oui, étourdi, empoisonné, couille, mes couilles, mes couilles. Sortie d'agonie, morsure, saignement maintenant, je parie. Ah non, infection encore. Tellement c'est violé, quoi. Bah, on me dégoûte tellement. Ouh.
Ah non, elle meurt pas. S'il vous plaît. Merci. Oh putain. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Je m'en fous de votre torche neuve. Ok, non, j'ai rien dit, il y a des blasons dedans. Un combat. Un putain de combat. Ils sont encore surpris, mais putain, ils sont complètement tarés. Normal le combat, je suis con, c'était prévu ça. Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. Oh, cowardice. Ok, un de moins. Pas mal. Singular strike. Des trucs en... pas en latin, mais en s'attaque justement. Donc je ne peux rien faire à part me soigner, donc on va faire ça. Merde, j'ai fait une torche. Je peux jouer? Apparemment non. Ok, j'ai déjà ça au moins pris. Oh! T'as la puissance des critiques, mon dieu! Esquive évidemment. Je ne m'y attendais pas du tout. Il est 5 en bailette, sérieusement. Laissez-moi venir, ne me retenez pas. Mais genre, oui, tu mets quoi. Mais genre, il est en agonie. C'est une quête niveau 1 quoi les gars, arrêtez. Ouais, c'est que si je fais ça, je pourrais pas le soigner. Et il faut absolument que je dise ça, que je fasse recul, et que là j'essaie de le soigner après. Oh là là. Vas-y. 1. Il va te faire saigner en plus, putain de merde. Il lui met 12, mais c'est quoi ce jeu de merde? Regardez ça! Regardez la vie qu'ils ont! Enfin, qu'on a, pardon! Je ne peux rien faire, quoi! Obligé de le tuer, mais là, on va faire quoi avec ça? As victories mount, so too will resistance. Ouais, vas-y. Rôdeur, c'est quoi rôdeur? Moi, plus de dégâts s'il n'y a pas de torche, mais pas tant mieux, voilà. On est bien. Darkness closes in. Ah, attends. Haunting the hearts. Tiens, à ton tour. Ah, lui par contre il... Waouh. Ah yes. Masochiste, super, j'adore. C'est pas ma run, les gars, désolé. Hein. C'est vraiment pas ma run. Le verrou est piégé. Regardez-moi ce con. Ok, voilà. On va éviter de lire ce livre encore, je pense. Tu ne sais pas camper? Je pourrais. C'est vrai. Écoutez, je vais tenter de camper. Mais bon. J'ai que 4 de bouffe, par contre. Mais bon, après... Ouais, allez, je vais tenter. In the dark, the battle may yet be won. Collation, ils appellent ça collation, quoi.
Et si on me demande de remanger encore après, je suis dans la merde. Mais bon. On va tenter quand même. Alors. Réduit le stress. Réduit le stress. Esquive pendant 4 combats. Réduction du stress. Toi, tu peux pas soigner toi? Empêche d'attaque nocturne contre tous les compagnons à cause de stress. Okay, ouais. À cause de stress de 15 compagnons. Ah oh non, pardon. Mais réduit le stress de lui. Il pouvait que chanter remonte le moral. Alors, 1, 2 et 3. Je stream mais la, très bien, mais la panique me convient très bien. Ok, il en a pas envie, c'est bien ça. Vas-y, plus d'esquive pour toi. Tu fais ça aussi. Lumière, accorde-moi la force suivante tout ce qui ne se traîne pas sur notre chemin. Bon. Repos. T'as mis TG, quoi. Non plus de bois à brûler, nous devons le préparer pour nos efforts. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Ouais, ça va pas vraiment. Ça a aidé un peu au niveau de la vie, on a récupéré plus que si on avait fait manger normalement. Par contre, niveau stress, ça a plus monté qu'autre chose, mais bon, bref, tant pis. Bon, dernier combat, probablement la mort, hein. Autant se l'avouer. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow it. Sans surprise. Pourquoi il va devant lui, ok. Ah, c'est bien ça. Dommage. Il a mis cher au moins. Vas-y, avance. Vas-y, tue-le, ça c'est fait au moins. Tentons plutôt ça, ouais. Tentons ça, oui. Another abomination cleansed from our lands. Du stress, c'est pas grave. Ça esquive en plus, parfait. Ça, ça va faire un peu mal. Mais pas assez. Ah si, assez. Merde, justement. Ah, là. Mon dieu, t'es pas mal du tout en sueur et sous pression. Le plan de Guéribou est testé. Guéris-moi le bout. Mon contrôle s'estompe. Il arrive. Quoi? Qui arrive? Pourquoi il parle? Le grand van est testé. Allez, masochiste. One can sometimes find clarity in madness. Les quoi? Les créatifs, pardon. But only rarely. Esquive, mais nique ta mère, quoi. Et pourquoi ils peuvent jouer 50 fois, quoi? Ok, il passe son tour, ce connard. Du coup, il va mourir. Mais il est con, lui! Il vient de se faire harakiri! Mais quel taré! Soigne-toi, espèce de con! Mais non, c'est pas ça, je me suis trompé! Étoile dans le ciel, quelle folie m'a mené ici! Le camp... Putain, couvert. Ok, là c'est la mort. Hein. Tout le monde est créatif, paranoïaque, tout le monde est créatif ou masochiste, pardon. Fragile, like a robin's egg. Bon, dernier espoir, c'est lui. Hein. Je vais pas vous le cacher. Saignement, putain, il s'est quand même à la rage, je crois. Ah merde!
Oui, ok, réponds. Mais arrête de te frapper, putain de merde. Oh putain, il veut pas changer de place. Quel connard. The match is struck. A blazing star is born. Impressive. Il va tuer machin. Agonie. Allez, c'est parti. Je veux juste finir la quête. Mais il esquive tout, putain. Et lui, c'est pas soigné. Enfer. Et moi je suis en train de me dire ouais prochain épisode on fait enfin un boss et tout mais on n'arrive même pas à tenir ici quoi. Oh, putain de merde. Allez on le tue là. Mais non il esquive tout. Ah. Agonie. Ils sont trop en agonie. Enfin non, lui il est sorti d'agonie, mais bon, bref. Bon, hein? Enfin. Le tuer? Oh putain! Eh mais c'était laborieux hein! Tout ça pour des blasons quoi! Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Là on va essayer d'un peu de quand même vite faire garder ce qui reste hein! Mais je suis con, j'ai pas été... Ah putain, quel connard. A fortune waiting to be spent. Je vais quand même aller voir, hein, parce que je n'ai pas utilisé la curiosité. La curiosité qu'il y avait là-bas. Ça sert pas à grand chose de toute façon, mais bon, parce que je vais jeter tous ces mecs-là, mais on sait jamais, ça peut apporter encore plus d'argent. Et hop. Puis tu sais quoi, on va même utiliser la... Voir le truc là. C'est quoi, juste pour le fun? Parce que lui, il m'a... Attends, qui m'a fait chier? Lui, il m'a fait chier comme un connard. Toi, tu vas ouvrir ça. Avec une torche. Les hommes viennent me prendre. Voilà. Au revoir. En plus, j'ai un succès pour faire ça, donc voilà. Parce qu'il est mort d'une crise cardiaque. Ben, nique ta mère, franchement. Tu l'as bien mérité. Alors, j'ai vu. Narly vient de se lever, la tête en vrille. Merde. Normalement, tu as une touche clavier assignée pour ouvrir les portes plus facilement qu'à la souris. Ah! Attends, je vais regarder. Ah oui, c'est Z. Bon, bah merci. Voilà, 600 pièces d'or. Voilà. Room by room. Hall by hall, we reclaim what is ours. On n'a rien gagné, hein. Bon, 9000 pièces. 5 contrats, une relique, des blasons, 16 blasons, 4 bus, mais pas 5 contrats seulement. Oui, allez-y, faites ce que vous voulez.
on s'enjaille. I was lord of this place. Donc, Gwenarly, tu peux marquer que maintenant ton personnage est niveau 3, t'es le premier. Alors, Noctis n'a plus l'état vampirique. Dashington et Ankival sont perdus une manie. Ah, Unvolti a pris un niveau tout seul. Bon. Le mec est à la taverne et il gagne de l'XP. Ah, regardez la nouvelle carte diligence. Avant c'était une comme ça avec une bâche dessus, maintenant c'est une en bois et tout. Swag. Trop swag. Bon. Bonsoir, c'était sympa. À jamais. Salut, c'était sympa. À jamais. Salut, c'était sympa. À jamais. Alors. Alors, un postulant homme d'armes. Qu'est-ce que ça, homme d'armes? J'ai jamais vu homme d'armes. Écrasé, corps à corps. Il a une étoile du matin comme arme. Rempart, étourdissement, et repousse de 1, c'est bien ça. Coup de gueule, d'accord. Protège l'allié. Ah, il a une riposte aussi, lui. Du coup, si je le prenais, qu'est-ce que je pourrais augmenter? Diminuer. Limite enlever ça. Mais écoutez, je vais le prendre. The raw strength of youth may be spent, but his eyes hold the secrets of 100 campaigns. Pekot. Pekoff. Tu m'aimes. Mais non. Alors, Pekot. Pekot, ça a l'air pas mal en fait comme homme d'arme, franchement. Protège l'allié, ça je m'en fous. On va prendre ça, et du coup on va désactiver ça, et ça, activer ça, et ça. Voilà. Pour faire un tank, quoi. HP max 31, putain. Je me demande pas si je vais en faire un main, celui-là. Peut-être. Du coup, qui est-ce que je pourrais mettre? Bon, c'est pas du tout la carrure ni rien, hein. C'est pas du tout comme ça qu'il est, mais bon, pourquoi pas. Mara, allez, hop, Mara. On verra si on peut en faire quelque chose, hein. J'espère qu'il est pété, à mon avis il doit être pété quand même, mais bon, faut voir. Alors, un postulant abomination, je veux bien en avoir une. And reclusive. This man is more dangerous than he seems. Et un apprenti pillard, je veux bien aussi. Comme ça, je serai bon pour le prochain run suicide. Et de toute façon, la prochaine semaine, j'ai prévu de faire un boss. Donc, il va falloir que je sorte, probablement. Je pense que je peux déjà préparer un truc. Anki Vance. Ah ouais! Ah ouais, donc Narlys va me faire chier maintenant. Narlys ne veut plus aller dans des missions trop peu, avec moins, pas assez élevées dans les niveaux. D'accord. Donc Narlys ne veut même pas faire le boss.
c'est de la merde du coup ça. Même dans la guilde avec la grosse armure, je la baisse. Quoi? Laquelle? Elle! Bon ben, Narlis, voilà. Tu ne peux plus travailler avec nous. Au pire, je t'envoie tout seul là-dedans. Lol. Je teste Mara du coup. Je pourrais tester Mara, vu qu'il a aussi la riposte. Bon, écoutez, je pourrais tester Mara, mon ami. Donc là où tu t'améliores. Non, là où tu améliores les compétences. Attends. Donc, bref, on fera la quête normalement, celle-là ou celle-là, je sais pas encore laquelle. Ah, les deux, c'est la même truc. Pour antiquaire, donc. Et la récompense, c'est juste que. On va plutôt faire ça pour avoir des bustes, à mon avis. D'une moyenne. Avec une vestale pour les soins. Avec aussi ça pour le poison et un peu les soins. Et après, 2 DPS. Ok. Bref. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à... laisser un pouce bleu, commenter, partager la vidéo, etc. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle session de Darkest Dungeon. Allez, ciao, ciao.